Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nancy, bonsoir. Bonsoir, Paul. C'est le grand soir, Nancy. Ce soir, appelons ça le lancement officiel de ton livre. Et puis, les gens qui sont à l'écoute, ben, bonsoir. Merci d'être là parce que, Nancy, c'est un moment important pour la société québécoise dans le débat sur la protection de nos enfants. Mais évidemment, c'est un grand moment pour toi ce soir. Comment ça va? Comment tu te sens? La semaine passée, il y a comme eu un peu le lancement médiatique qu'on appelle. Et comme tu le sais, j'ai donné beaucoup d'entrevues. Ça a bien été. C'est sûr que je me sentais vulnérable, là. Je pense que c'est pas un secret pour personne que quand on publie un livre aussi personnel que celui-ci, on se sent vulnérable que tout le monde puisse lire notre histoire. Mais je me suis toujours dit, même en écrivant le livre, Paul, quand j'avais des moments difficiles où je me disais, ah, finalement, j'arrête tout ça, je me disais toujours, Nancy, ton espoir, c'est que les bénéfices soient plus grands que ta vulnérabilité, que les bénéfices soient plus grands que la difficulté de mettre ce livre-là au monde. Et puis, j'espère qu'il sera bien reçu, puis j'espère que je vais viser juste. Je pense que tu connais, Paul, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, je pense que tu connais mes objectifs. Puis j'espère que c'est surtout ça qui est important, sensibiliser les gens à la réalité des enfants de la DPJ. Je le rappelle, Nancy, là, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est publié aux éditions de l'Homme, disponible maintenant. J'essaie de voir un peu parce qu'il y a toute une histoire, je m'excuse pour l'éclairage, mais bon, jamais la honte, le parcours improbable d'une petite Pocky. On va rentrer un peu dans ton univers, Nancy, puis je vais expliquer d'abord aux gens que, bon, on va se parler pendant à peu près 45 minutes, on va échanger, toi et moi. On va recevoir des questions également qu'on va intégrer à notre discussion pour bien comprendre les enjeux, ce qui t'a amené, Nancy, à écrire ce livre-là, puis l'objectif, au fond, que tu recherches. Nancy, les Américains ont une belle expression pour qualifier un peu les gens qui, comme toi, font face à des situations difficiles et décident de retourner ce qui est sombre, de ramener ça à la lumière. Tu sais, ils disent, au fond, la magie, c'est avec du citron qui est amer, qui est acide, en faire de la limonade. Tu sais, moi, je trouve que c'est une expression qui est belle. Tu sais, à quel moment le déclic s'est fait pour toi? Parce que c'est, tu sais, on va y aller étape par étape, là, mais à quel moment as-tu pris la décision, au fond, de t'ouvrir, de partager avec les gens une partie de ce que tu as vécu dans un but précis, évidemment. Ça fait des années que je regarde Paul, comme je suis journaliste, tu sais, on se tient informé, mais chaque fois que je lisais les manchettes, tout ce qui concernait la DPJ, j'avais toujours une boule dans le ventre parce que les statistiques étaient tellement inquiétantes dans les dernières années, notamment les listes d'attente. Puis je me disais, ah, c'est sûr qu'il y a une petite Nancy à quelque part, puis on ne va pas la voir, on ne peut pas répondre au signalement. Ça m'inquiétait, je ne dormais pas bien. Et un jour, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé la directrice de la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal. J'ai dit, je veux m'impliquer. Je suis prête à faire n'importe quoi. Je vais. Des campagnes de promotion, des campagnes de levée de fonds, des activités avec les enfants, puis je voulais beaucoup. Et un jour, elle m'a posé la question, Paul, mais pourquoi? Et j'ai eu du mal à répondre. Je suis devenue très émotive, puis il y a un petit « je suis passée par là » qui a sorti. Puis elle m'a dit, mais mon doux, est-ce que tu en parles? Est-ce que je dis jamais? C'est mon grand secret. Et elle m'a dit, c'est Nancy, si tu veux les inspirer, ces jeunes-là, il va falloir que tu sois vrai avec eux parce que sinon, ils ne vont pas t'écouter. Comment tu veux les inspirer si toi-même, tu n'es pas honnête par rapport à ton parcours, si tu as encore honte d'en parler? Et je ne te cacherai pas que ça m'a vraiment bouleversée. J'ai passé 2, 3 nuits blanches, puis j'ai dit, elle a raison. Elle a raison. Mais Ça c'est tout. suffit la honte. Ça a Et été vraiment le déclencheur, ça a été ça. ça suffit la honte. Hein? Parce que tu sais, c'est toute une décision. On va y aller plus en profondeur, mais c'est toute une décision. Et je le signale, là, ceux qui peut-être n'ont pas encore lu.
ton livre, vont le découvrir. Ceux qui l'ont fait savent de ce que je vais dire. Nancy, juste pour partager quelques-unes des discussions qu'on a eues, toi et moi, quand tu m'as demandé d'écrire la préface, j'avais l'impression de connaître un peu, mais là, j'ai découvert, évidemment, tout ton passé. Comme tout le monde, je suis convaincu, comme tout le monde, la lecture du livre, c'est troublant d'un côté, puis en même temps, très, très inspirant. Je viens d'ouvrir quelques pistes, là. Allons-y une à une. Nancy, quand là tu prends la décision, le déclic se fait d'écrire. Tu es consciente que là tu rouvres une plaie que tu avais peut-être laissée de côté, qui était un peu cicatrisée. Mais on ne peut pas cicatriser totalement sans avoir fait un processus. Donc, étais-tu consciente, dès le départ, que c'est un voyage à l'intérieur de toi et de ton passé là, que tu entreprenais? Peut-être pas. J'avais peut-être pas conscience de ce que ça voulait dire, honnêtement, au départ. Ça a été plus difficile que ce que je pensais. J'ai failli reculer plusieurs fois. Mais je pense que dans mes deux dernières années, Paul, d'implication auprès des enfants, je suis allée les voir en centre jeunesse, j'ai passé du temps avec eux. Ils m'ont donné beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup de force. Quand j'avais des moments de doute, je fermais les yeux, je pensais à eux quand j'allais les voir en centre jeunesse, au moment passé avec eux, puis je me disais « Non, 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 Nancy, hey, tu sais pourquoi tu le fais, c'est pour eux autres, puis tu vas être courageuse, puis tu vas faire ce que tu as à faire, puis tu vas partager ton histoire. » Parce que souvent, c'est ça pour sensibiliser les gens, il faut partager son histoire. Mais je me suis aussi entourée de bonnes personnes, dont toi, Paul. Je dois te le dire, merci. Je me suis assurée de m'entourer de gens qui étaient là pour moi, qui allaient m'appuyer tout au long de l'écriture, que j'allais pouvoir appeler quand j'allais avoir des moments de doute. Les gens ont répondu toujours présents. Je suis très bien entourée. Puis j'ai aussi un psychologue, je ne suis pas gênée de le dire, depuis un an, qui m'a appuyée, qui m'a aidée. Ça m'a vraiment aidée. Je dis souvent aux gens, il ne faut jamais avoir honte d'aller chercher de l'aide. Moi, je suis allée plusieurs fois dans ma vie quand je sentais que j'avais besoin de travailler certaines choses. Puis ça m'a vraiment aidée. Là. La fille que j'étais, même dans un an, puis la fille aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas fait ça, j'aurais eu du mal là, avec la sortie du livre. Mais cette personne-là qui est fantastique, elle m'a aidée à me préparer. Parce que tu sais, nous, là, les journalistes, on est habitués de poser des questions. Mais on n'est pas habitué de se faire poser des questions, on n'est pas habitué d'être le centre d'intérêt. C'est toujours notre sujet qui est le centre d'intérêt. Donc, de retourner ça, pour moi, c'était un pas qui n'était pas facile. Puis je sais que tu es bien placé pour comprendre ça. Oui, puis je te dirais, la notion de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, elle est tellement d'actualité avec ce qu'on a vu à... le témoignage de Meghan Markle, entre autres, et c'est une des grandes leçons. Nancy, donc, tu décides d'écrire, tu replonges dans ton passé trouble d'enfant. Et là, les lecteurs vont voir, ils vont comprendre ce dont je parle, mais tu as fait des choix, j'allais dire, de méthodologiques au fond, parce qu'on sent parfaitement que tu ne racontes pas tout dans le livre nécessairement. Qu'est-ce qui t'a guidé dans tes choix, au fond, de d'ouvrir certains pans puis d'autres, de garder une réserve, une pudeur? Le respect. J'ai essayé de le faire avec respect le plus possible. Le livre, je ne veux pas blesser personne. J'aime beaucoup mes proches. Je ne voulais pas que personne... se sentent visés ou quoi que ce soit. La démarche, elle est vraiment de sensibilisation. Je le fais vraiment pour les bonnes raisons. Puis ça, pour moi, c'est important de le faire avec respect. C'était la base de départ. Mais aussi, Paul, je voulais que les gens se rendent à la fin du livre. Parce qu'il y a le message à la fin. C'est ça, pour moi, qui est le plus important. C'est l'espoir à la fin, c'est le message à la fin de l'importance de tendre la main aux enfants, encore plus aux enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'adultes significatifs dans leur vie. Je voulais vraiment qu'on leur tende la main. Puis excusez-moi, j'ai de la visite, là. Allô? Allô, ben. puis,
Puis aussi, je voulais que, tu sais, un jour, là, la petite fille que vous voyez là, elle va lire ça. C'est important pour moi de faire attention, même si je pense que je n'aurai pas rien à lui cacher. Mais c'est ça, le respect. Puis les gens, je sais que les gens disent « Oh, c'est dur », mais je dis toujours aux gens « Passe la moitié du livre, après tu vas voir, il y a plein de belles lumières, puis c'est ça qui est important. » Oui, puis effectivement, ça l'est, quand j'ai terminé la lecture de ton manuscrit, je te l'ai dit, tu sais, c'est dur, c'est troublant. Moi, j'ai terminé, puis ma femme peut le dire, au fond, tu sais, j'avais les larmes aux yeux, c'est évident, tu sais, c'est, on ne peut pas faire autrement. On ne va pas revisiter ces étapes-là difficiles d'enfants maltraités et abusés que tu as été. Je ne veux pas aller là nécessairement ce soir, les lecteurs. On va inviter les gens à le lire. T'sais. Exactement. Mais il y a un aspect sur lequel j'aimerais te questionner, Nancy. On fait face, malheureusement, c'est un scénario qu'on voit trop souvent au Québec, un parent qui au comportement épouvantable, parce que je ne veux pas trouver d'autres qualificatifs que ça, je veux rester vague, et bien des gens autour qui se détournent le regard. Et ça nous amène. Nancy, dans le cas qui nous occupe, qui t'occupe, toi, c'est ta mère. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est ta mère. Tu sais, une mère, c'est une mère. C'est tabou. C'est tabou, mais, Paul. Alors, voilà. Je ne sais pas si je peux dire que c'est particulièrement difficile, mais en tout cas, c'est particulier. Ça, c'est sur le fait que ça soit ta mère. Nancy, tu m'as dit la semaine dernière, en fin de semaine dernière, au fond, que tu avais pardonné. La notion de pardon est une des choses dans la vie les plus difficiles, donc spirituellement, que en termes philosophiques aussi. Pardon ne veut pas dire réconciliation. Tu es où de ce côté-là dans ton esprit à toi par rapport à ta mère? Moi, un jour, j'ai compris que si je ne pardonnais pas, je n'allais jamais pouvoir être heureuse. Impossible. Si tu as de la colère dans ton cœur, si tu as de la rancune dans ton cœur, tu vas toujours être malheureux. Puis, j'avais envie d'être bien. J'avais vraiment envie d'être heureuse. J'avais envie d'avoir une belle vie épanouie. Puis, j'avais envie d'être une bonne mère. Ça, pour moi, c'était très, très, très important. Donc, j'ai emprunté cette voie-là, mais en même temps, j'ai compris à un moment donné dans mes thérapies, il y a un psychologue un jour qui m'a dit, « Tu sais, Nancy, le pardon, ça ne veut pas dire garder le contact. » Parfois, les gens vont nous culpabiliser, hein? « Mais fais pas ça, c'est ta famille, c'est ton frère, c'est ton cousin, peu importe c'est qui. » Il y a comme une incompréhension. Malheureusement, dans certaines relations, c'est tellement toxique que si tu maintiens le lien, tu ne pourras jamais être heureux. Ces gens-là, pour toutes sortes de raisons, ils vont toujours vouloir te tirer vers le bas. Ils ne veulent pas que tu sois heureux, pour toutes sortes de raisons. Il faut avoir le courage de dire « Ok, je coupe les ponts, je coupe les liens, je prends soin de moi, je pardonne, par exemple, je pardonne, mais je coupe les liens. » Moi, je l'ai fait. On m'avait conseillé de le faire. Effectivement, au fil des semaines, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Je dormais mieux, moins nerveuse, moins anxieuse. Ma vie a commencé à aller mieux. Mais je suis quand même heureuse d'avoir pardonné. Puis je le sais que les gens qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire, je le sais que c'est pas facile, mais c'est quelque chose que tu fais pour toi. Tu le fais pas pour les autres. Tu le fais pas pour les gens qui t'ont blessé. Tu le fais pour toi-même, pour être bien. Parce que ta plus belle victoire dans la vie, là, vis-à-vis ces gens-là, c'est ça, c'est être heureux. Tu ne peux pas avoir plus grande victoire que ça. Te sens-tu libérée d'un poids? Bien, tu sais, les gens me posent beaucoup cette question-là après le livre. J'aimerais ça te dire oui, mais je pense, Paul, que j'avais tellement fait de travail avant. C'est tout le travail de la dernière année qui m'a libérée. C'est ça que je veux dire. Tout le processus que j'ai fait pendant l'écriture, c'est comme si je me suis libérée petit par petit, petit par petit. Fait que quand le livre est arrivé, j'étais déjà bien, tu sais, je me sentais plus solide. Puis une chance, parce que c'est pas évident là, de sortir un livre personnel comme ça. Donc, mais oui, je me sens quand même bien. Et bravo, j'ai eu l'occasion de te le dire à quelques reprises.
ce que tu fais est inspirant là, pour toi, pour quiconque est en contact avec toi, puis les gens qui nous écoutent et éventuellement tous les jeunes aussi, parce qu'au fond, tu as choisi la lumière, tu sais, dans la vie qui aurait pu te maintenir dans quelque chose de très sombre, d'obscur. Tu as choisi la lumière. Il y a des gens qui t'ont aidé. Je vais aborder cet aspect-là avec toi. Parce que parfois, aux nouvelles, là, on va parler, bon, les familles d'accueil, etc. Puis pas tout le monde comprend l'importance. Nancy, on ne se trompe pas, Rosemée, qui t'a accueilli à un moment clé de ta vie, de ta jeune vie à ce moment-là, elle t'a sauvé, hein? Elle t'a carrément sauvé. Ouais. Ben, Rosemée, elle m'a accueillie deux fois. Elle m'a accueillie une fois quand j'étais une petite enfant. J'avais été abandonnée dans les bureaux de la DPJ. Je raconte ce moment-là dans le livre qui, je pense, moi, a été la grande blessure de ma vie, hein, l'abandon. Du jour au lendemain, quand tu es petit, on te laisse dans un bureau avec des gens que tu connais pas, puis on te dit, ben, t'as plus de famille. On va t'en trouver une autre. Pour ceux et celles qui ont, pour bien comprendre, ta mère t'abandonne dans un bureau Oui, de il y a eu un signalement. On est la convoqué dans les bureaux, puis rapidement, elle veut rien savoir. Elle m'abandonne dans le bureau. Et là, je me retrouve chez Rosemée, à Amos, en Abitibi. Rosemée qui a accueilli des dizaines et des dizaines d'enfants. Elle en a tellement accueilli, je lui ai demandé plusieurs fois combien, puis elle dit, j'ai jamais compté. Et elle en a eu vraiment beaucoup. Elle a accueilli le petit oiseau blessé. Elle le fait avec beaucoup de bienveillance. Je me suis sentie en sécurité chez elle. Je savais qu'elle ne me ferait jamais de mal. Je savais que... j'étais bien. Ça, pour moi, à ce moment-là de ma vie, c'était crucial. Je lui dois beaucoup. Elle m'a accueillie une deuxième fois à l'adolescence. Puis là, j'étais... La deuxième fois qu'elle m'a accueillie, là, j'allais pas bien. J'avais des idées noires, des idées noires. Puis je pensais... à mettre fin à mes jours. Puis Rosemée, elle m'a rattrapée encore une fois. Puis elle m'a dit, Nancy, tu vas m'écouter. Parce que Rosemée, quand elle parle, il faut écouter. Puis t'écoutes, elle a une autorité naturelle. Il y a juste toi qui es responsable de ta vie. C'est toi qui vas décider de la suite. T'as peut-être pas décidé du début. Il y a juste toi qui vas décider de la suite. C'est toi qui vas décider comment tu vas mener ta vie. Pas personne d'autre que toi. Et elle m'avait shaké. Mais j'avais besoin de... On appelle ça tough love. J'avais besoin de ça. Puis, tu sais, cette femme-là, on avait vu d'autres avant moi. Elle était solide. Tu sais, elle m'a... C'est merveilleux. Elle m'a remis sur pied. Puis, après ça, là, je te dirais, Paul, là, je me souviens, j'ai fait mon petit baluchon. Puis, je suis partie toute seule vivre ici, dans la région montréalaise. La petite fille de l'Abitibi qui n'était jamais sortie quasiment. Puis, j'étais allée dans une école dans la région montréalaise, toute seule, à 15 ans, puis j'étais allée m'inscrire. Faire du J'ai dit, sport. je veux aller à l'école. Ouais. J'en parle dans le livre, puis je l'adore. Puis je sais que, Paul, il y a beaucoup de familles d'accueil qui nous écoutent ce soir. Je suis une grande fan des familles d'accueil. Je pense que c'est connu maintenant, parce que pour moi, ils sont mes héros. On va le dire, là, ils sont mes héros parce que accueillir des enfants... polytraumatisés souvent, qui ont vécu des choses très difficiles, ça prend une patience sans nom. Ça prend de l'amour, ça prend de la bienveillance. Ces gens-là, c'est exceptionnel ce qu'ils font, puis ils ne sont pas reconnus, je pense, à leur juste valeur. Ces gens-là sauvent des vies, Paul. Ils sauvent des vies. Il faut qu'au Québec, on reconnaisse davantage ce qu'ils font pour les enfants. C'est la même chose pour les intervenants en centre jeunesse que je côtoie beaucoup depuis 2 ans. Qui sacrifient souvent leur vie personnelle pour les enfants, là. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'on n'a pas d'idée, là. Ils les aiment, puis ils veulent le meilleur pour eux. Puis j'aimerais bien ça que quand le rapport de la commission va tomber, qu'on pense à eux, qu'on pense à les soutenir dans leur rôle qui est tellement important, puis à les outiller davantage, parce que c'est eux, hein, qui recueillent, puis qui s'occupent de nos petits poquets. Moi, j'étais une petite poquet. Puis il y a quelqu'un un jour qui a décidé qu'il allait prendre soin de la petite poquée. Quelqu'un qui a décidé qu'il croyait en moi quand moi, je ne croyais pas en moi-même. Puis, ouf, fasse attention, là. Puis c'est ça que je suis. C'est pour ça que je suis là ce soir avec vous, tu sais, Paul.
Puis plus tard, il y a eu Manon qui n'était pas famille d'accueil, mais qui est devenue ma famille d'accueil. On n'a pas signé de papier, mais elle m'a accueillie sous son toit comme ça, par amour, par bienveillance. Tu sais, on peut-tu, en tant que société, de décider qu'on redevient un village pour nos enfants? On en connaît tous des enfants autour de moi, autour de nous, pardon, qui ont de la difficulté. Tendez la main. Faites-le. J'en connais tellement qui ont besoin juste d'une petite tape dans le dos, là, pas là, juste un petit appui là, pour réussir à prendre leur envol. Puis ils vont tellement être reconnaissants. Moi, là, la reconnaissance, Paul, ça me sort là, de j'ai le cœur rempli de reconnaissance et de gratitude. Fait que, j'espère que les gens, quand ils vont finir de lire mon livre, là, je vais avoir semé une graine dans leur cœur. Puis, ouais. Ils vont avoir envie de devenir des héros aînés puis des Manon. C'est ça le livre. Oui, c'est vrai que c'est. Nancy, c'est vrai que c'est ça le livre. Puis, regarde, je vais prendre 20 secondes pour personnellement, puis au nom de bien des gens. Je ne sais pas si Rosemée nous écoute ce soir. Rosemée, si oui, là, merci. Grâce à vous, notre amie Nancy est avec nous. Merci, Rosemée, puis à travers vous. Puis Manon aussi. Manon, je sais qu'elle est Manon. Manon aussi. Que je ne connais pas non plus, mais merci. Puis merci aux anges gardiens, aux familles d'accueil, oui, mais à tous les anges gardiens qui, à un moment ou l'autre, jouent un rôle dans la vie d'enfant, justement. Puis tu insistes beaucoup dans ton livre là-dessus, puis ça vaut le coup. Nancy, je te propose une couple de questions en rafale. OK, des gens okay. Qui, j'écoute. Oui. Écoute, c'est intéressant parce qu'on voyait ton enfant tout à l'heure, Alona. Cathy, qui vient de l'Abitibi, justement, te demande comment penses-tu aborder ton histoire avec ta pinotte, avec ton enfant, là, lorsqu'elle sera plus grande et en mesure de comprendre les choses? Avec honnêteté. Je pense que je lui dois ça. Moi, on m'a caché beaucoup de choses. Puis je pense que si on mes parents, si on avait été honnête avec moi, ça m'aurait peut-être permis de comprendre. De toute façon, là, il y a quand même le livre qui est là. Mais un enfant, c'est intelligent. Ça a le droit de savoir. En même temps, j'ai un jardin secret qui va toujours rester secret. Ça aussi, on a le droit que je vais pas partager. C'est correct. Mais j'ai surtout envie que ma pinotte, comme Cathy dit, à comprendre l'importance dans la vie de la résistance. Parce que des difficultés à en avoir, tu sais, la résistance à jamais laisser entrer dans notre vie ce qu'on veut pas, tu sais, la résistance à la violence, la résistance quand les gens croient pas en nous, tu sais, c'est de se dire tout le temps, non, non, moi je vais résister, moi je suis capable. C'est ça que je veux qu'elle retienne. Parce qu'on parle beaucoup de résilience, mais la résistance, pas la résistance. On sous-estime souvent l'importance de la résistance. C'est vraiment important. Mais merci, Cathy. Je trouve que c'est une bonne question. Et ça a été un frein quand même important au niveau du livre. J'ai hésité longtemps à l'écrire pour cette raison-là. Oui, hein? Ouais, j'ai hésité. C'était mon frein numéro un. Okay. Je ne voudrais pas jamais là, que ma petite fille, tu sais. On veut tous là, que nos enfants nous voient comme des super-héros. Puis je me dis, oh non, je ne veux pas qu'elle voie ça, puis qu'elle pense que sa mère, c'est une poquée et tout. Mais tu sais quoi, je suis une poquée. Hein? Je suis une grande poquée qui est heureuse aujourd'hui, puis c'est correct. Mais ça, c'est. Écoute, surmonter des obstacles, rien de plus grand dans la vie. Hein? Puis ça, les enfants comprennent ça. Tu sais, je vais citer Saint-Exupéry qui disait « On mesure la grandeur de l'humain à la taille des obstacles qu'il franchit. Mm. » Sa mère est une géante. Je parle de toi. Mm. Alain Fournier, Nancy, t'es-tu déjà posé la question, demande Alain, pourquoi avoir gardé ce secret-là aussi longtemps? Pourquoi ton père a-t-il fait la même chose? Là, on revient à ton entourage. Là. Oui. J'ai posé la question à mon père. Oui, hein? C'est la question qui tue, dit Alain. Sois pas obligé, te dit-il, d'y répondre. Ouais. Mais vas-y si tu te sens capable. La honte. C'est vraiment la honte.
Il y a deux choses. Quand j'étais petite, j'ai sonné l'alarme à plusieurs reprises. Je me suis sauvée de la maison à un moment donné. Je suis allée me cacher chez des gens. Je suis allée me cacher dans un garde-robe. J'ai essayé Puis à un moment donné, quand tu n'es pas entendu, ben, tu as l'impression que tu ne vaux pas la peine. Donc, tu te réfugies dans le silence. C'est ça qui est dangereux avec les enfants. C'est pour ça qu'il faut les écouter, les enfants. Quand un enfant parle, souvent, un enfant, ça ne va pas mentir sur ce que ça vit à la maison. Si un enfant vient vers vous, qui partage des choses avec vous, c'est vrai. Prenez le temps de bien l'écouter. Pendant longtemps, je me suis réfugiée dans le silence et après, il y a eu la honte. Je me disais, si les gens que j'aime aujourd'hui, ça a tellement été long pour moi de me bâtir une vie puis un beau réseau d'amis et tout. J'avais le sentiment que si je leur disais la vérité, ben, que j'avais été abandonnée, que j'étais allée en famille d'accueil, tout ça, ben, que les gens allaient arrêter de m'aimer, que les gens allaient arrêter de me respecter. C'était mon grand secret à moi. Puis un jour, j'ai compris que ces gens-là m'aimaient assez. J'ai eu confiance, puis j'ai su que je pouvais maintenant leur dire. J'ai arrêté d'avoir peur qu'ils arrêtent de m'aimer. Mon père m'a dit que c'est ça, c'est la honte. Toute sa vie, la honte l'a empêché de parler. Lui Puis, aussi. j'espère, lui aussi. Et puis, il m'a dit quelque chose de beau cette semaine. Je pense que ça ne lui dérange pas que je le partage avec vous. Mais il m'a dit que le livre lui permettait lui aussi de guérir. Puis, ça m'a fait du bien qu'il me dise ça, parce qu'il mérite du bonheur lui aussi. C'est juste ça que je lui souhaite. Je l'aime beaucoup. Il m'a appuyé beaucoup durant l'écriture de ce livre-là. On a bâti une belle relation dans la dernière année. Je te dirais qu'on a rattrapé beaucoup de temps perdu. Puis c'est une belle victoire, ça aussi, là, je trouve, par rapport à mon livre. Mais j'espère que, Alain, j'ai bien répondu à ta question. Ben oui, admirablement. On parlait de ta mère qui était dans ta vie à toi l'adulte abuseur. T'as pardonné, t'as coupé les ponts avec ta mère pour éviter de replonger au fond dans cette relation toxique avec ton père maintenant. Est-ce que tu as eu à pardonner à ton père? Est-ce que tu l'as fait? Parce qu'au fond, quand il se tournait la tête autant de reprises que ça, il était partie prenante d'un schéma qui t'a amené dans les bas-fonds là, des comportements humains. Ouais. C'est Ben, comment? il était, ben, je l'explique dans le livre. Il était presque jamais là. Il partait à la semaine. Mon père, il partait souvent le lundi matin, revenait le vendredi. Quand il arrivait le week-end, il était très occupé, était entraîneur au hockey, tout ça. Il était presque jamais à la maison. Je pense que lui aussi, il fuyait quelque chose. Bien sûr que j'aurais voulu qu'il me protège plus. Puis bien sûr que pendant des années, j'avais de la rancune dans le cœur. J'aurais voulu que mon papa soit plus là. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il est là. Il est là, il est tout là. J'ai envie maintenant de me concentrer sur le présent et non plus axer sur ce que j'ai pas eu. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est un papa qui est là, c'est un papa qui me comprend, qui, je pense qu'il est profondément là, désolé là, puis, pour tout ce que j'ai traversé. Puis c'était à refaire, je sais qu'il ferait les choses différemment. Mais il comprend pourquoi je l'ai écrit, puis lui aussi, il espère que les papas qui nous écoutent, ou les mamans, tu sais, qui nous écoutent, qui savent que des fois, les enfants peuvent vivre des difficultés avec l'autre parent, ben, qui doivent se lever. Puis lui aussi, là, il a vécu des choses très difficiles, puis je veux pas jamais parler à sa place, ça lui appartient, mais il l'a pas eu facile lui non plus, là. Vous avez du temps à reprendre, toi et lui, hein, c'est On sûr. va le faire. Tant mieux. Robert Blake te demande, Nancy, bonjour. Quel a été votre plus grand défi? C'est une bonne question. Votre plus grand défi en écrivant le livre? J'avais tellement envie que les gens entendent mon cri du cœur. Parce que c'est un cri du cœur que je fais.
Ma plus grande crainte, c'était que les gens ne se rendent pas à la fin. Je l'ai dit tantôt, puis ça aurait été très décevant pour moi. Parce que le message de la fin, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans mon parcours, dans mon livre. Donc, j'ai essayé, c'est pour ça que j'ai essayé de m'appuyer sur un professionnel, notamment pour être sûr de bien doser. J'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais. Vous savez, c'est mon premier livre. En plus, c'est un livre personnel. Donc, ça a été ça, je vous dirais, le plus difficile. Puis aussi, il y a certains moments où je me dis, OK, non, j'ai failli abandonner plusieurs fois parce que je me dis, ah, je peux pas. Je peux pas accepter que les gens lisent mes choses. Puis après ça, je me disais, mais t'as pas le choix. Faut que tu fasses ça dans l'honnêteté, dans le respect, mais dans l'honnêteté aussi. Donc, après 2-3 fois où j'ai dit, ah, j'abandonne, je me ressaisissais. Puis j'ai réussi finalement à le terminer avec un gros soupir de soulagement. Et je veux remercier ma co-auteure, Joannie Godin. C'est une fille qui est bien solide. Elle a reçu tout ça, elle, dans la dernière année. Elle a été fantastique. Chaque fois que j'avais des doutes, je l'appelais. Je l'ai appelée souvent. Et puis, je pense qu'elle nous écoute. Là. Je tiens à la remercier parce qu'elle a été vraiment formidable. Elle a été une alliée fantastique dans cette aventure-là. Nancy, toi et moi, on s'est connus à TVA, tu étais aux nouvelles, ensuite au sport, et puis moi, aux nouvelles, bon, tu as eu des gros changements professionnels au cours des derniers mois. Puis écoute, Nicole Bourreau te demande, au fond, que fais-tu maintenant? Paul, tu es journaliste depuis combien d'années? Est-ce que je dois répondre à cette question-là? T'as pas le choix! 44 ans. J'allais me vanter, moi, avec mon 17 ans, je fais pipi. J'ai été dans une salle des nouvelles pendant 17 ans, puis tu es bien placé pour savoir comment c'est exigeant. C'est quelque chose qui consomme toute notre vie. On est branché 24 heures sur 24. C'est difficile pour nous de décrocher. C'est un métier vraiment exigeant que je faisais avec tellement de passion. Je pense que tu le sais. Je voulais toujours donner le meilleur de moi, puis je voulais toujours être la première. Mais je me suis rendu compte que dans cet engagement-là, j'avais besoin de libérer de l'espace. J'avais besoin de mon énergie pour livrer cette bataille-là, qui est rendue ma bataille la plus importante. Donc, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à mener une vie complètement folle où je travaillais beaucoup si j'avais envie de tendre la main aux enfants de la DPJ. Il y avait ça. Il y avait aussi le fait que je chantais que j'étais rendue ailleurs. Et moi, j'ai toujours rêvé, Paul, de travailler sur des séries documentaires. C'est un rêve, là. Ça doit faire 10 ans, mes amis, là, qui disaient, ça fait 10 ans que tu nous en parles de ça. Va, tu sais, va donc le faire. Donc, depuis quelques mois, je travaille chez Attraction Images, qui est une grosse boîte de production. Je travaille avec une équipe de femmes talentueuses. Je vais la nommer, ma patronne Marie-Christine Pouliot, qui est une productrice très, très solide. J'apprends beaucoup depuis que je travaille avec elle. Et là, je ne peux pas tout dévoiler, Paul. Mais juste un peu. On travaille sur... on a travaillé sur... 3-4 séries là, depuis quelques mois. Et il y a un documentaire qui va être diffusé le 12 mars à nouveau sur l'impact de la pandémie sur les enfants. Vous savez, on a donné beaucoup la parole à des experts, avec raison, à beaucoup de gens, mais on trouvait qu'on n'avait pas donné la parole aux enfants. Et dans ce documentaire-là, on a voulu les entendre. Puis on les a entendus pour vrai. Mmh. Et ce qu'ils ont à dire, Paul, là, vous allez voir, ça va vous jeter sur le derrière. Ils sont extraordinaires. Je suis vraiment fière d'avoir travaillé sur ce projet-là. C'est diffusé dans quelques jours. Puis je suis autant inspirée par les autres projets. Là, on en a plein de beaux projets. Puis le rythme, c'est quand même exigeant, mais le rythme est différent. Et ça me permet donc de dégager quand même un peu d'espace et de temps pour mes petits-enfants, mes petits cocos que j'espère aider.
Nancy, revenons au livre lui-même. Chantal Tourigny, t'as une excellente question. La honte, c'est un sujet qui est peu abordé, tabou même, peut-être parce qu'on a honte d'avoir honte, écrit Chantal. Est-ce qu'on peut en guérir, sortir de ça? Comment s'en éloigner? Il le faut. Tant qu'on est habité par la honte, on ne peut pas être serein, on ne peut pas être bien. Tout le monde a le droit au bonheur, hein, je le dis souvent. Puis quand on a la honte, puis il y a beaucoup de gens, on peut être honteux pour plein de choses, hein. Quand on a été notamment souvent, on le sait, agressé sexuellement, on est habité par la honte que c'est peut-être de notre faute. Puis c'est un grand défi de s'en débarrasser. Moi, j'ai trouvé que ça a été un de mes plus grands défis de me débarrasser de ça. Et c'est vraiment en thérapie. J'ai travaillé fort, fort là-dessus. Et encore, dernièrement, des fois, c'est pas facile. Comprenez? C'est une bataille de tous les instants pour obtenir de l'aide professionnelle. Il n'y a pas d'autre façon de s'en débarrasser par soi-même. Je vous dirais que c'est difficile parce que c'est lié à des blessures qui sont tellement profondes, souvent des blessures qu'on a enfouies là, tellement profondément. D'aller chercher ça, il faut le faire de la bonne façon. C'est ça que je veux dire. C'est quelque chose qui faut être bien appuyé, quelqu'un qui est formé là-dedans, parce que ça peut aussi nous ébranler dans notre vie. Mais tu sais, s'il y a autant de gens qui ont malheureusement des problèmes de consommation, des problèmes, Paul, d'alcoolisme, de toxicomanie, c'est souvent des gens qui justement essaient de faire taire leur honte, de faire taire leur souffrance. Quand tu comprends ça, tu comprends que il faut que tu fasses tout ce qu'il faut pour t'en débarrasser. Puis je suis vraiment contente de m'en être débarrassée. C'est pour ça que quand on voulait choisir un titre, pour moi, celui-là, Plus jamais la honte, il résonnait fort en moi. C'est ça que je veux, les gens qui nous écoutent. Plus jamais la honte. Vous n'avez pas de raison d'avoir honte. C'est les gens qui vous ont fait du mal qui méritent d'avoir honte, pas vous. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Tellement vrai. Nancy, remonte-nous le livre. Parle-moi un peu de la photo qui est magnifique d'ailleurs, là. La photo, il y a une histoire derrière la photo. Ouais. La photographe Christelle V. Morin, tellement talentueuse, tellement humaine. Je lui ai écrit pour lui dire, je veux être assise devant une fenêtre et je veux que la lumière frappe mon visage. Elle était un peu étonnée de ma demande. C'était pas facile à faire, les gens qui connaissent un peu la photographie, parce que j'avais envie de dire aux gens, tu as le droit de laisser la lumière rentrer dans ta vie. Souvent, quand on a vécu l'abandon, on a subi de la maltraitance, puis on n'a pas parlé de violence psychologique qui, à mes yeux, Paul, est pas mal plus dommageable encore. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. On dirait que tu as l'impression que tu ne mérites pas la lumière. Donc, tu te tiens toujours à l'ombre. Tu te caches. Tu n'en veux pas la lumière. Même quand la lumière, oh, elle approche un peu, tu t'organises pour pas qu'elle arrive à toi. Parce que tu as vraiment un sentiment profond que tu ne la mérites pas, cette lumière-là. Moi, j'avais envie de dire, on la mérite, la lumière. Laisse-la rentrer, là. Ferme tes yeux. Laisse-la te caresser le visage, là. Parce que tu la mérites plus que n'importe qui, la lumière. Moi, ça a été un gros travail pour la laisser entrer dans ma vie. Puis, vous le méritez. Vous la méritez, la lumière. C'est ça la photo. Mais quelle histoire, Nancy, parce que pour les gens qui nous écoutent, moi, j'étais pas au courant de ça. Puis, on se parlait quand tu m'as demandé de faire la préface. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est un honneur pour moi, Nancy, de ton livre, puis tout ça, puis on échangeait un peu. C'est drôle, hein, je t'ai appelé pour te dire, écoute, j'ai peut-être une idée de titre pour ton livre. Tu te souviens-tu? J'ai dit, choisir la lumière. Et je ne savais pas ça, là. Je ne savais pas ça. Nancy, écoute, le temps file. Déjà, oui. Ça passe vite en bonne compagnie. Là, c'est moi qui parle, là. Je vais reprendre ta phrase. Nancy, au fond, et je reviens là, à l'image de la limonade, là, tu sais, on réussit à transformer ce qui est amer, ce qui est terrible, au fond, parce que tu as choisi la lumière. Okay?
qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton récit, en fait, du récit de ta vie, quelque part, puis du message que tu transmets dans ton livre? Il y en a deux. Les petits poquets puis les grands poquets. J'ai reçu tellement de messages, Paul, dans les derniers jours. Ma boîte, elle est pleine de « Merci, je me sens moins seule. Moi aussi. Moi aussi. » On est vraiment nombreux. On est des milliers au Québec à avoir déjà passé dans le système. Il y en a des milliers actuellement. Les centres jeunesse débordent. Les familles d'accueil débordent aussi. On a un manque criant de familles d'accueil. On ne sait plus où mettre les enfants. J'ai envie de leur dire de tenir bon. J'ai envie de leur dire d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin. J'ai envie de donner espoir aux gens qu'à n'importe quel âge, on peut choisir d'être heureux. À 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'est jamais trop tard pour être heureux. J'espère leur donner le goût de faire ce qu'il faut pour se choisir, pour s'aimer. Faire taire la voix qu'on leur a dit si souvent qu'ils ne valaient pas grand-chose, c'est pas vrai, vous valez quelque chose. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'être heureux puis de faire ce qu'il faut pour être heureux. Le deuxième message qui est vraiment, vraiment important, c'est de tendre la main. On parle beaucoup du gouvernement, puis il faut qu'il réforme la DPJ, c'est une certitude pour tout le monde. Et j'espère que le gouvernement va le faire. Mais quand je vois que l'année passée au Québec, il y a eu, Paul, 118 000 signalements. 118 000 signalements. 340 enfants par jour. Je pense que là, on doit se poser de sérieuses questions et se demander qu'est-ce que moi, je peux faire? Comment je peux m'impliquer? Il y a plein de façons de le faire. Mais même déjà, regardez autour de vous. Tendez la main aux enfants. Des fois, c'est des petits gestes qu'on va faire. Des fois, c'est aussi simple qu'inviter le petit ami dans la classe que personne ne veut inviter à la fête d'amis. C'est s'assurer que ce soit lui qu'on invite. Parce qu'il vit déjà tellement de rejets, il n'y a pas besoin d'un plus. Offrez-lui dans votre maison un petit îlot de bonheur, un petit moment où il va se sentir normal, la normalité. Un moment où peut-être il va être dans votre maison puis il va voir une famille heureuse où ça ne crie pas, où il n'y a pas de violence puis il va dire « Hey, ça existe! » Puis moi aussi, plus tard, je vais en avoir une famille comme ça. Moi, là, cette graine-là, il y a quelqu'un qui l'a plantée. Je suis déjà allée dans une famille, j'ai fait « Wow! Ça existe, ça! Moi aussi, je veux ça! » Donc, ouvrez votre porte. C'est ça, ouvrez votre porte puis je vous dis, là, il y en a beaucoup autour. Hein, vous pouvez, dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça aller recruter 250 familles d'accueil cette année. C'est tout un engagement, par contre. Ça, c'est vraiment un gros engagement. Mais aussi, on peut devenir bénévole dans un centre jeunesse. On peut décider de devenir un adulte significatif pour un enfant qui n'a pas personne autour de lui. Je dis souvent qu'un centre jeunesse, c'est pas une place pour un enfant. Ils sont dans des unités, c'est difficile. Idéalement, dans le meilleur des mondes, Paul, un enfant, là, ça a besoin d'une maman pour se coller sur le divan puis regarder la télé. Ça a besoin d'un papa le soir pour faire son devoir de mathématiques. Ça a besoin d'une maman qui va aller lui lire une histoire le soir puis lui caresser les cheveux. Dans un centre jeunesse, il n'y a pas ça. Même si les intervenants travaillent tellement fort, il n'y a pas ça. C'est pas une place pour un enfant. Donc, j'aimerais ça idéalement qu'il y en ait le moins possible qui entre dans les centres jeunesse. Mais pour ça, il faut que les gens s'impliquent. Il faut que les gens s'impliquent, Paul. Il faut vraiment que nous, on prenne nos responsabilités puis qu'on redevienne un beau grand village pour eux. C'est ça, mon livre. J'espère que je vais être entendue puis que je vais donner le goût aux gens. Je suis devenue marraine des enfants de la DPJ pour la Fondation du Centre jeunesse de Montréal, qui est un rôle que je prends très à cœur, tu comprends? On a une soixantaine de programmes fantastiques pour eux. Les demandes ont doublé cette année à cause de la pandémie. Les demandes ont doublé. C'est difficile de répondre aux demandes.
Si vous avez quelques dollars en trop, sachez que votre argent, votre don, va servir directement à aider un enfant. Les programmes de tutorat, vous allez permettre à un enfant peut-être de jouer au hockey, de suivre des cours de guitare, de suivre une thérapie. Si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, sachez qu'on tente d'en prendre soin du mieux qu'on peut. La Fondation fait un travail absolument remarquable. Donc, il y a aussi ça que vous pouvez faire si vous avez envie de faire un petit quelque chose pour eux. Bon, ben Nancy, écoute, je le rappelle, là, pour ceux qui ne savent pas encore, plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée. Là, comme avec la pandémie, il n'y a rien qui fonctionne normalement, enfin, comme on l'entend, Nancy, le livre est déjà en vente, tu es déjà dans les 10 meilleurs vendeurs au Québec, oui! Bravo! Bravo. Bonne nouvelle. Oui. Tu le mérites parce que, je le dis en toute honnêteté, c'est un livre qui raconte une bonne partie de ta vie, qui est porteur également d'un message d'espoir. Qui, tu sais, écoute, on en a tellement besoin en ce moment au Québec et qui permet de replacer au fond toute cette question-là de du sort de nos enfants, de la protection de nos enfants. On va en entendre parler dans quelques semaines avec le rapport de la commission de Régine Laurent, tout ça. Et puis ton livre est tellement pertinent et inspirant. Nancy, écoute, merci de m'avoir demandé d'écrire la préface. Merci d'avoir demandé de... C'est un fantastique préfacier. Oui. C'est moi qui te remercie. Merci. Non, arrête ça tout de suite. Arrête ça, c'est moi qui l'ai dit en premier. Il faut dire, on vient tous les deux de l'Abitibi. On aime oui, tous les deux. Et Nancy, c'est la grande perte de ton retrait de journalisme dans le sport, c'est qu'on a perdu la meilleure reporter pour la boxe. Tu sais, elle me tenait au courant de tout ce qui se passait. Mais écoute, tu as tellement des défis considérables et exaltants devant toi. Bravo. Bonne chance. Longue vie à ton livre, bien sûr. Bonne chance à ta cause, Nancy. Merci beaucoup, Paul. Merci. Bye-bye. Bonsoir tout le monde.